wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, name ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors, ce ne sera pas une vidéo de glitch, ce ne sera pas réellement un glitch car il n'y a aucune manipulation à faire. On peut pas dire que ce sera une couleur classe non plus, puisque je n'ai pas réellement trouvé cette couleur, vu que c'est un gros bug qu'il y a avec la Tornado. Alors vous l'avez compris, vous allez devoir vous munir d'une Tornado, mais pas n'importe quelle Tornado. Vous allez devoir aller dans le désert afin de trouver une Tornado rouillée. Alors il existe plusieurs couleurs et plusieurs modèles. Ça, le modèle et la couleur, on s'en fout. Ça tiendra qu'à votre compte après que je vous ai montré la manipulation, car vous allez voir qu'on va avoir différentes couleurs. Par exemple, moi j'ai trouvé une Tornado qui était rouillée mais qui était grise. Une fois que vous avez trouvé la Tornado de votre choix, vous allez tout simplement vous rendre au Benis Original Motorwork. Donc c'est vrai que du désert jusqu'au centre-ville, ça fait vraiment très loin. Mais bon, vous y allez sans problème. De toute manière, on paye pas l'essence sur GTA, donc il n'y a aucun souci. Et vous allez tout simplement aller au Benis Original Motorwork. Vous allez faire la transformation du véhicule. Et quand vous allez faire la transformation du véhicule, votre véhicule va se mettre avec une couleur métallisée et mate en même temps, une couleur que vous ne pouvez pas vous-même avoir en ayant une autre voiture, par exemple avec la Vaudou ou même la Buccaneer. Vous ne pouvez pas avoir cette voiture style mate métallisée. Alors moi, comme j'avais une voiture rouillée qui était grise, la couleur mate métallisée est bien évidemment grise. Mais si vous prenez une voiture qui est rouge, la couleur sera rouge. Si vous prenez une voiture qui est jaune, la couleur sera jaune. Et je trouve la couleur vraiment, mais vraiment stylée. Elle peut s'allier avec pas mal de choses. Là, je suis en train de vous montrer que dans les couleurs, j'ai beau chercher la couleur, elle n'y est pas. C'est bien évidemment une couleur rare que vous ne pouvez pas avoir sans réaliser cette petite manipulation sur GTA Online. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.